Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Une palette, un make-up avec la Sorceress de Joli Beauty. Donc comme d'habitude, je vous mets le swatch and make-up et tout ça, en barre d'infos, tous les make-up que j'ai pu faire avec cette palette jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je vais juste dégager ma touffette. Je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, je vais partir dans... J'ai envie d'utiliser principalement les deux ici, l'argenté et le un peu bleuté comme ça. Donc on va partir dans les teintes grises pour la base. Et je vais commencer tout de suite avec le gris ici le plus foncé. Un pinceau biseauté et je vais faire un make-up graphique. J'ai envie, tout simplement. Donc je vais commencer par faire ma forme externe ici. Donc voilà, je fais cette forme là parce que j'ai envie tout simplement, hein, comme à chaque fois. Et je voulais un peu n'importe quoi. Ouais, on est d'accord. Donc je vais quand même remonter un peu plus haut parce que sinon ça se verra pas une fois que j'aurai... les yeux un peu plus droits, ça a l'air d'aller. Ouais. Ensuite, je prends tout simplement le côté de mon pinceau pour ressalir un autre. Et je vais remplir déjà cette forme-là. Donc là, allez, on va dire un tiers de la paupière. Je dégrade. On est presque à la moitié de la paupière, en fait. J'essuie mon pinceau parce que je suis une grosse flemmarde. Je vais passer au gris lumineux ici. Et je garde toujours le même pinceau. Hein. Et là, je vais faire le centre. Donc, je vais tirer vers le bas. Je garde bien ma forme aussi au-dessus. Donc, je vais prendre mon doigt, le même fard, et je vais quand même en remettre un peu... qu'on voit au moins la loupiote un petit peu là. Je vais prendre un pinceau plat assez fin et je vais prendre le gris tout clair ici pour faire le reste de ma paupière et ma forme. Avec le même pinceau du coup je prends cette teinte là pour remettre par dessus. Ouf, il chute à mort. Je vais prendre des paillettes ici, donc bien appuyées pour attraper de la jaunillon à l'intérieur. Et je vais mettre ça sur mon coin externe. Alors, Riley est déjà en train de foutre le bordel, il est 6h30 du matin. Je vais mettre un peu sur la tête de mon sourcil pour le petit rappel. Avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais prendre le blanc lumineux ici pour mon coin interne. Je prends ce mini crayon de chez Sephora. Alors, je ne sais pas la teinte, mais voilà. C'est un bleu comme ça qui ira très bien, je pense, avec l'autre bleu. Et je vais mettre ça en muqueuse et en racine. Donc pareil, je fais mon racine et je vais le blender au doigt. Du coup, je reprends mon petit pinceau précision et le bleu ici, lumineux. Et je vais mettre ça par-dessus mon crayon, tout simplement. Je reprends le pinceau biseauté pour blender un petit peu. Et voilà pour les fards. Donc, je vais juste faire un trait de liner. Et je pense que je vais faire une petite forme au liner en triangle ici. Mascara, rouge à lèvres, je viens vous remontrer ce que ça donne et on fait le tirage au sort pour la prochaine palette.
Et donc voilà le look final avec cette palette. Tout simplement. Que j'aime toujours autant. J'adore cette palette. C'est vraiment, elle fait vraiment partie de mes palettes préférées. Vous avez fait mon top 10 palettes, il me semble qu'elle est dedans. Hein. Donc voilà, bon, forcément si vous aimez le gris et un peu dark, elle est faite pour vous. Vous avez des duochromes et tout ça, enfin bref, vous avez le swatch et le make-up, les paillettes, je vous en parle même pas. Enfin bref, j'adore cette palette, j'adore cette marque, j'adore cet univers, tout simplement. Et voilà, voilà. Donc sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Glam Shop qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, enfin un de ceux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas lire la teinte, en plus c'est écrit en polonais, voilà. Donc on va choper le cupcake et on va passer au tirage au sort pour la prochaine. Ah, Yasako. Alors il y a juste que s'il y a la Ethereality qui sort, il faut que je l'enlève puisque c'est celle qu'on fait avec ma main. Je vais aller dans le fond et je chope la Alien de Jeffree Star. Alors ça, je suis contente parce que je l'ai utilisée qu'une fois depuis que je l'ai. Voilà. Donc, je suis bien contente. Bref, et ben, écoutez, voilà ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez la marque Jolie Beauty. Je vous en ai fait gagner une, la Ethereality, justement, dans le concours de Noël. C'est vraiment mes deux préférés pour moi. Voilà, elles sont... Je les aime trop. Je les aime vraiment trop. Et donc, dites-moi si vous connaissez la marque ou si elle vous intéresse, tout simplement, si vous aimez ce make-up. Et ben donc en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je dis n'importe quoi, mais les chiens sont en train de me perturber. Il est très tôt, je me suis dit, je vais filmer hyper tôt, comme ça je suis tranquille avec les chiens. Et ben non. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air si c'est pas encore fait, et tout ça. Tout ça. Je dis vraiment n'importe quoi. Vraiment. Mm-hmm. Donc c'est n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça m'encourage vraiment beaucoup. On s'approche des 5000, hein, encore une fois très doucement, mais on s'en rapproche. J'ai déjà commencé à préparer le concours, donc j'ai hâte. Voilà, il ne me reste plus qu'à aller en Allemagne. Et bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous dire bisous.